C'est un kamishibai. Ça veut dire quoi, kamishibai? Ça veut dire théâtre de papier. En japonais, kami, papier, shibai, théâtre. C'est un théâtre de papier. Dans les temps, toutes les grenouilles étaient en fête. Ceux qui racontent l'histoire que vous... Les histoires au kamishibai, ça s'appelle comment? Les kamishibaya, ils vont dans les parcs, dans les jardins publics, et ils racontent des histoires. Et même des fois, c'est des histoires comme les épisodes, les séries à la télé. C'est-à-dire qu'ils racontent un épisode d'une série, puis la semaine d'après, ils retournent, et les gens, ils attendent la fin de la série. Mais je ne veux pas aller vivre dans un château. Ici, j'ai et je fais tout ce que je veux. Ce qui me plaît, c'est vivre au grand air. Le crapaud ne bouge pas. Seuls ses yeux se balancent à gauche, à droite, à gauche. Et gloups, il le gobe. Le chat du magicien. Et voici le magicien, qui a un chat mais pas de chien. Monsieur porte un beau chapeau, son chat porte une jolie peau. Adesso, chers amis, andiamo a nozze di Figaro. Mais vous parlez français? Pourriez-vous nous... Déjà, le petit couturier fou trottine. Non c'è un minuto da perdere. Venite, venite con me. Dépité, Rigoletto se tourne vers Violetta. Un mariage? Mais on ne connaît même pas ce Figaro. Quelle andouille! Il a rabattu le couvercle. Il m'enferme à clé. Je suis prisonnier. Au secours! Rigoletto? Violetta? Oui, c'est moi. T'es où? Par ici. Nous sommes prisonniers, Violetta. Ils perdent l'équilibre et se retrouvent sur leur derrière. Ciao e buon viaggio!